Eh bien, bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Véville. Déjà, on va déposer La Véville. Et nous ne sommes plus que 11, peut-être 10. Ah non, c'est un héros visite un petit peu le donjon. Pour le moment, il va bien, donc c'est ça. Bruce, il va bien. Donc c'est bon. Et donc, oui, je disais donc que nous ne sommes plus que 11. Avec tous nos petits problèmes d'invasion et autres, nous avons perdu beaucoup, beaucoup, beaucoup de vitoyens. Donc voilà, nous n'avons plus de soldats, nous n'avons que des civils. Il doit y avoir des corps qui jonchent un petit peu partout la carte. Mais donc nous allons... nous avons déjà retiré toute la boue des chambres. Je pense que nous allons retirer la boue aussi de la taverne, tiens. Voilà, donc je reprends. Je disais donc que nous allons sûrement continuer un petit peu. Hein. Ce que nous allons essayer de faire maintenant, c'est forcément attirer des nouveaux vitoyens, puisque bon, à 11, on risque de ne pas faire grand-chose dans la Véville. Donc au niveau place, puisqu'à un moment nous étions quasi 20, il n'y a pas trop de problèmes de place. C'est juste au niveau de ce qu'il y a à manger... Il n'y a pas trop de problèmes à manger non plus, donc très prochainement, s'ils n'ont pas entendu parler des sièges et de tous les problèmes que nous avons eus, nous devrions avoir des nouveaux vitoyens assez prochainement. Donc pour le moment, nous allons les regarder et faire des choses et des machins. Alors qu'est-ce qu'il se passe ici, effectivement ? Bon, lui va bien. Il a l'air d'avoir mal quand même extrêmement vite, ce héros. Hein. Ronald Chartres. Effectivement, comme me disait je ne sais plus qui, j'ai effectivement 4 héros. Même s'il me semblait en avoir beaucoup moins. Et donc, mes héros visitent un petit peu le donjon ici. Il reste un petit bout à visiter là. Ils ont tout visité ici, ils ont tout visité là. Il reste... comme dirait mon parasite préféré, un urinoir. Ici, il doit rester peut-être une salle. Donc voilà, forcément, vous me connaissez. Je n'ai pas regardé l'heure à laquelle j'ai commencé à tourner. Et je sais que... Ah, voilà, une pierre tombale de plus. Mon cimetière s'agrandit toujours. Je sais qu'aujourd'hui, l'épisode arrive très tard, mais je ne l'avais pas tourné d'avance, dû au fait de la question que je vous avais posée hier, si on continuait cette Véville... ou si on avançait. En même temps, je dois bien vous dire que si jamais la Véville est perdue à un moment ou à un autre, effectivement, on passera forcément à la prochaine version, mais tant que ce n'est pas perdu, nous allons continuer sur celle-là, quoi qu'il arrive, et donc, quelles que soient les prochaines versions qui puissent sortir, nous allons continuer celle-ci, nous allons essayer de descendre tout en bas de la carte pour aller casser le pif au roi soldat, je ne sais pas quoi, peut-être. Et donc voilà, j'ai une petite route ici. Il ne se passe pas grand-chose. Je vais détruire la boue ici. Aujourd'hui, c'est un épisode destruction de boue et attente de nouveaux vitoyens. Puisque tant que nous n'avons pas de nouveaux vitoyens, nous n'allons pas faire grand-chose. Puisqu'à 11, ça commence à devenir un peu critique. Puisque bon... 11, ça veut dire qu'on est revenu au nombre qu'on en avait au début. Hop, retirer. Voilà. Ah, je vais y arriver. Est-ce que j'ai retiré... Non, donc nous avons un peu de lave ici. Je la retirerai hors caméra puisque c'est trop long. Et de même, je finirai de retirer ce qu'il reste de boue hors caméra, peut-être. Parce que vous savez bien que ma position hors caméra pour cette série est quand même assez, assez extrême, où j'ai décidé de ne pas du tout la jouer hors caméra. Un seul moment, quand on était avec Zygote, on a laissé tourner hors caméra, parce que justement on n'arrivait pas à démarrer. Vous avez bien vu dans le petit bonus qui a été publié derrière, même si j'étais en pause dans le bonus, ce n'est clairement pas la seule fois où ça a eu lieu. Voilà, donc il visite le donjon, il y a beaucoup de gravier.
Un gravier, gravier, oui, gravier. Là, il y a un peu de cuivre, donc il va me servir sûrement très prochainement. Allez, ça serait bien que mes héros ne meurent pas quand même. Ça serait une grande perte. Voilà, plein de chambres libres. Je pense que nous commençons à avoir plein de nourriture. Bon, elle est dehors, mais c'est pas grave. T'as quand même plein de nourriture. On commence à être envahi par les pommiers et les poiriers aussi. Eh bien, il va falloir que je construise décorative tombe. Hop, on va continuer à agrandir le cimetière. Hein. Parce que c'est vrai que vu, on peut compter le nombre de citoyens que j'ai perdu. Hein, nous sommes déjà à 8. Hop. Oh, effectivement, on commence à avoir vraiment beaucoup de nourriture. On a beaucoup de nourriture. On a beaucoup de pièces libres. Donc. Excusez-moi. Ah ouf. Eh bien, un peu avalé de travers. Oui, je vous ferai quelque chose au montage pour ça. Cette fois-ci, je vais le faire, sinon je vais vous détruire les oreilles. Et c'est pas forcément le mieux qu'on puisse faire. Voilà, donc un peu de route ici, un peu de route là. Et voici. Donc éventuellement, ils vont faire ça un moment ou un autre. Alors tout à l'heure, quand je vous ai dit que j'avais pas regardé l'heure, j'ai regardé l'heure, mais j'ai oublié qu'est-ce que j'avais vu comme heure. Donc c'est pas grave. On va faire ça un peu au feeling aujourd'hui. Ça pourrait être un peu plus long ou un peu plus court. Je vais tenter de ne pas reproduire l'épisode de presque 10 minutes. Mais nous verrons. Alors, qu'est-ce qu'il se passe ici en dessous? Tout a été quasiment tapé ici, s'il en reste un petit peu. Donc non, ça avance un petit peu. Normalement, au niveau nourriture, ça devrait être bon pour un certain temps. Et j'espère donc que toutes ces chambres libres vont être occupées prochainement. S'ils ont même une route sous terre, c'est... C'est quand même dire comment je suis gentil pour eux. Alors est-ce qu'il allait se réparer ce... Oui, c'est parfait. Il est allé à l'hôpital. Stone Spear, c'est pas extraordinaire quand même. Donc... Je pense qu'on va pouvoir agrandir les bouts de taverne aussi dans pas longtemps, faire quelques chambres de plus. Enfin, on verra. Ce qu'on va créer, par contre, sûrement, ça va être d'autres armures très prochainement. Enfin, dès qu'on va avoir des nouveaux vitoyens, on va créer des nouvelles armures. Mais pour ça, il va falloir que nous ayons des nouveaux vitoyens. Eh bien, je pense qu'on va pouvoir se laisser là aujourd'hui. Ça... Ah. Iron Chancellor, lui, il est bien. Oui, comme je disais, eh bien, j'ai ma voix qui commence à faire des choses bizarres. Et c'est dommage parce qu'il me reste plein de choses à tourner aujourd'hui. Bon, comme je vous le disais précédemment, cette fois-ci, je vais y arriver. Nous allons nous laisser ici pour aujourd'hui. À demain pour une nouvelle Véville et en espérant des nouveaux vitoyens.